La ville de Bobo-Dioulasso dispose désormais d'une agence Coris Bank International Baraka. Située sur le boulevard du secteur 2, l'ouverture de cette solution de financement islamique répond à un besoin de rapprocher les services bancaires aux populations. Inaugurée le 27 octobre dernier en présence du PCA de Coris Bank International Idrissa Nassa et des autorités de la ville de Ouagadougou, ce joyau offre aux particuliers et aux entreprises une gamme variée de produits et services conformes aux principes de la finance islamique. Il s'agit d'une agence Coris Baraka qui est une solution de financement islamique, une solution éthique et participative de financement qui vient en quelque sorte compléter notre offre conventionnelle que nous avons mis sur le marché depuis 2008. Alors, ceci pour permettre à nos clients de pouvoir bénéficier donc de financement et de dépôt, de services et de produits qui répondent à leurs besoins et qui est en conformité avec leur foi, leur choix d'éthique, leur choix également de conformité. Donc, c'est en cela que nous avons assisté donc à la cérémonie d'ouverture officielle de l'agence qui fonctionne déjà depuis 2 semaines et nous avons beaucoup d'engouement en réalité donc, dans la ville de Bobo-Dioulasso. Offrant des opportunités pour le financement de l'économie, l'activité de la finance islamique est encadrée par la Banque centrale depuis 2018. Elle est un modèle financier basé sur 5 principes, à savoir 3 interdictions, l'usure, la spéculation et l'incertitude. Également, elle obéit au principe de l'exclusion du financement des secteurs illicites, l'obligation de partage des profits et des pertes, et enfin le principe de l'adossement des transactions et des actifs tangibles. La solution de finance islamique est une solution globale qui regroupe 3 grands axes. Vous avez des produits de ressources, notamment des comptes. J'ai parlé de compte Wadia, qui est en réalité le dépôt classique en banque conventionnelle. Vous avez aussi le dépôt participatif à travers la Moudaraba. Mais vous avez également la gamme de financement qui existe et qui est mise à la disposition aujourd'hui de l'ensemble de nos clients. Nous avons la Mouraba, qui est la vente commerciale en réalité donc avec une marge, mais aussi l'Ijara, qui est l'équivalent en réalité donc du crédit bail en finance conventionnelle. À l'occasion de la cérémonie d'inauguration, la direction du groupe Coris a laissé parler son cœur en offrant de quoi prier à la communauté musulmane. Les clients, quant à eux, se réjouissent de l'ouverture de cette nouvelle agence Coris Baraka dans la ville de Sia et se disent satisfaits des services qu'offre l'institution financière. Je suis cliente de Coris Baraka. Alors, c'est une banque qui m'a impressionnée. Coris Baraka est vraiment une banque qui est différente de toutes les banques que j'ai pu parcourir dans mes fonctions commerçantes. Alors, j'ai la bénédiction, je ne sais pas, c'est son nom qui nous suit. En tout cas, tout ce que nous faisions avec Coris Baraka, on a une bonne impression que tout marche bien et réellement, ça se termine bien également. Je peux dire vraiment Baraka Allah. Parce que ce que j'ai vu dans Coris Baraka, c'est arrivé un moment que j'étais dans du difficulté, que je ne vais pas aller prendre crédit en banque à cause des ribas. Mais par la grâce de Coris Baraka, j'étais même en mesure de vendre mon coin à 55 millions. Bon, quand j'ai découvert Coris Baraka, je suis couru venir voir M. Koné. Et effectivement, j'ai été vraiment satisfait. Je n'ai pas pu vendre mon coin. Aujourd'hui, le coin que j'aurais voulu vendre à 55 millions, ça vaut au moins 100 millions et quelques aujourd'hui. J'ai pris crédit avec Coris Baraka, j'ai pu rembourser, et puis j'ai repris encore, et puis j'ai pu rembourser. Jusqu'à présent, mon cours est toujours là. Le groupe Coris dispose à son actif des branches de finance islamique dans 5 pays, à savoir le Burkina Faso depuis 2015, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal. Bientôt suivront les filiales islamiques de la Guinée-Conakry, du Togo et du Niger. Cette solution de financement n'est pas dédiée qu'à des musulmans.
c'est une solution qui est offerte à tous ceux qui aspirent d'avoir de la morale et de l'éthique dans tout ce qu'ils font, même dans leurs contrats de prêt, dans leurs contrats de financement avec les banques. C'est une solution qui existe pas seulement au Burkina. Vous le savez très bien que la finance est développée certainement en Moyen-Orient, mais aujourd'hui, la finance islamique est bien installée dans les pays européens. Coris Banque Internationale, faut-il le rappeler, fait partie du top 5 des banques de l'Union, selon le rapport de la Commission bancaire de 2019, et est leader du système bancaire national depuis 2016.